Bienvenue à JudoCamp. C'est l'heure, mec. En forme. Ça va ou quoi? C'est dans la salle de jeu. Oh, ça m'a fait peur. On va descendre sur Avignon. On va faire une petite visite touristique. On va aller aux marches d'Avignon. Donc, on part en un seul groupe. Et après, quand on arrivera aux marches, on laissera les différences de niveau faire que ben, y en a qui feront plus de marches que d'autres. Ok? On est dans Avignon, on est en train de courir. On remonte à Avignon pour arriver jusqu'aux marches. C'est là où on va faire notre petite prépa. Bon, on est bien arrivé aux marches. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'ils sont déjà lancés. Du coup, là, je suis en retard. Ça se passe comment? Bah écoute, très bien, il fait beau, le soleil brille, on transpire. La belle vie, hein. C'est quoi l'exercice? L'exercice, c'est monter de marche avec un partenaire sur le dos. Toi, t'as pris qui comme partenaire? Bah j'attends mon partenaire. T'avais filmé quand la personne a vomi? Ah bah je sais pas, quelqu'un a fait ça, ouais. Ah ouais. On lance le dé, celui qui gagne, il va jusqu'aux herbes, et celui qui perd, il monte tout en haut. Alors là... Tu vas jusqu'à où là? Ah, là-haut. C'est parti. C'était comment? À l'aise. Ah, grosse prépa. Franchement pas. Demande à Ivan comment c'est. Je suis français. Ah, vous êtes prépa à passer? Ah, c'est bien. Bien? Tranquille? Yes, is a Giro. On rentre, on va faire Néwaza maintenant, judo au sol. Chaque repas, c'est le meilleur du moment de la journée. Du coup, toi, t'étais dans un autre groupe, c'était comment ta prépa? C'était pas ouf. C'était super bien. On a fait des burpees, des pas chassés, de la course, des sprints et tout. Je suis champion. Dis quoi? Ça va bien. Ça va et toi? Tranquille. Tranquille. Ça s'est bien passé? Dieu merci, je fais du judo moi, je fais pas ça. Je vous présente Louis les gars, Louis tu peux te présenter? Bah Louis, sociétaire de la CVB Boulogne. Je suis ici pour profiter du cadre et du beau stage de Vinave les Avignons. T'as pris ton petit déj ou quoi? Pas besoin. Ouais j'étais trop chaud, moi je prends mon petit déj. Hein. Il y en a les boys. On a tous un petit sac comme ça. Oh Oleg, assure plein de bouteilles de jus. On a notre vaisselle. Là-bas. Et voilà, on a un petit filet pour mettre la vaisselle. Moi je me suis pris, hop, petit verre de jus, gros petit déj. Un petit thé pour être en forme, du lait avec du cacao, et là deux parts de gitan de confiture. Part de quoi? De gitan. Pas mal. Bon là, c'est le petit temps calme entre le petit déjeuner et le premier entraînement du matin. Mais dis pas voilà, ça s'appelle Robin. C'est pas wesh, wesh. Wesh. Mais tu l'as tué. Oh, il est agressif. Attendez, on est vite remis. On est en compagnie d'un très grand judoka, tu peux le présenter? Oh, c'est bon, arrête de nous faire le timide, frère. Non, arrête. Moi, je m'appelle Kes Guitari, je suis en compagnie de mon pote. Bah, dis-moi, il n'y a pas une date importante là dans... Si, bientôt là, il y a le 24 août, championnat du monde. Voilà, faut suivre et c'est mec, tout. Mec, hein, on est avec toi, tout le monde te donne la force. Et en compète, tu fais pas le timide. Hein. Bonjour, je m'appelle Guitari, je suis Benjamin 2, meilleur de la région cette année. Rien d'autre à dire. Est-ce que tu vas être plus fort que Caïs? Merci. Ouh. On part sur le chauffement, on va jouer Star Wars. Oui, Sharon. On nous dit, il est mort. On va avancer comme ça. Tiens-moi là. Mais y'a tout le monde. Regarde. Non, je pense que c'est un petit poids, les gars. C'est qui? C'est pas. Vas-y, Chris, tais-toi, mais c'est. Ah, mais. Tu nous expliques les règles du jeu, Jimmy? Moi je dois me relever et moi je dois tout faire pour ne pas qu'il se relève dans les règles du judo. Ok, vas-y, Hajime. Et comment t'as fait? Je suis abonné à Mazdak. Get ça. Je suis debout. T'as perdu mon rêve. Ici, je vais venir. S'il a les doigts qui deviennent bleus, c'est bon signe. Ça. Un. Sur le coup. Trois. Je reviens. Deux.
Ça va, mon mec ? Ah, ça va très bien. Le judo au sol, c'est terminé. Là, ça va être l'heure du repas. On y va. Le repas d'aujourd'hui. Non, ça va, moi j'aime bien. Hein. De base, j'aime pas trop les haricots verts. Ça y est, on a bien mangé. Maintenant, il est temps de se reposer, c'est l'heure de la sieste. On va reprendre fort après cette sieste. Voilà, après cette sieste, on reprend fort à l'équipe. Bonne sieste à tous. Amine, t'arrives à passer quoi ? Amine, t'es chaud ? Ouais. Gros plongeon ! Vas-y ! Ah, je vais les tuer. Je vais leur faire mal. Du coup les gars, on a un petit invité surprise, attention. Tu peux te présenter, Chérine ? Alors moi c'est Chérine Boucli, je fais du judo dans les catégories des moins de 48 kilos, je suis double championne d'Europe, numéro 1 mondial. Voilà, et voilà, c'est déjà bien. C'est quoi ta technique préférée ? Moi je te dirais Ogoshi, après j'aime bien aussi les techniques de sacrifice genre Sumiyeshi, j'aime bien, et après j'aime bien au Soto aussi, tu vois, en reprise. Tout en sensation avec la manche, en faisant réagir la... Est-ce que je vais avoir l'occasion de filmer tout ça aujourd'hui alors ? Pourquoi pas ? Ok. Pourquoi pas ? C'est parti alors. Ouais, avec plaisir. C'est de la pub pour Badoua. J'ai un jeu à te proposer. Vas-y. Est-ce que t'es chaud de le faire avec nous ? Vas-y. Vas-y, chaud. Allez, tous sur mon TikTok si vous voulez voir cette vidéo. Claire, c'est quoi cette tenue ? C'est une tenue de sambo. Parce qu'aujourd'hui, c'est une séance spéciale sambo. C'est qui ce monsieur ? Guillaume Alberti, président de la fédération de sambo. Du coup, aujourd'hui, il va nous faire une petite intervention avec Laure Fournier, championne de France, championne d'Europe, championne du monde dans cette discipline. En fait, on est vraiment gâtés. Ah bah, c'est la vie de château. Ah, mais si, ça. Oh non ! J'ai hâte de voir ça. Allez, chaud, toi. T'as avancé, wesh ! Tu passes quoi, wesh ? Ça, elle est partie, la femme. Deuxième échec. Eh, David, là, après, ça a filmé. Allez, maintenant. Ouais. Calvin ! Calvin ! Moi je la fais pas ! Avec qui ? Ah moi c'est bon, j'arrête, c'est bon. T'as dit quoi ? Calvin, laisse-moi essayer. Tu peux prendre la porte là ? Moi, je pèse 50. Oh, il a mal. C'est pas ça qu'on a demandé, mon gars. Je suis timide, moi je suis timide. Mais c'est toujours pas ça, mon rêve. Mais si, c'est ça, c'est ça. Mon attaquant, c'est Kevin Poitrache. Bien joué, mon rêve, c'est ça. Attends, mais c'est ton frère ?
Moi, c'est pas mon frère. Comment tu l'appelles mon ref? C'est ça, mon ref. Là, ça fait mal. Ça fait mal ou pas? Non, j'ai mal. En fait, j'ai mal à la jambe de base. Dis pardon. Bon, bah voilà. On va faire de la sambo. La sambo. Regarde la tenue. On a mis la ceinture. Ça va attraper comme ça, vas-y, viens. Attraper comme ça. Voilà. C'est ça maintenant. Allez. Bien aimé, je remercie les intervenants qui ont été très très cool avec nous et j'ai beaucoup aimé pratiquer et j'espère revenir l'année prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, c'est bien. Un petit mot sur cette intervention sambo? Bah, Inch'Allah qu'ils reviennent plus. Ouais, je t'en ouvre toi. Ouais, frérot, non. C'était bien, je me suis fait un peu de... Voilà, derrière toi. Putain, il a sali la caméra, frère. Voilà, Attends, je crois que t'as un truc dans ta bouche, la bouche pour voir. Franchement, merci pour cette intervention. Moi je dis Hagra. Vas-y, le clap pour finir. Hein? Bonjour. Merci le sambo. Là, on va manger des sandwichs. Est-ce qu'on peut dire que c'est nous qui les avons fait les sandwichs? Non. Si nous avons fait les sandwichs, voilà, ils vont être trop bons. Voilà, ok. On va manger des sandwichs dans un cadre idyllique. Malheureusement, la météo n'est pas à son rendez-vous. C'est un peu dommage, non? C'est pas dommage avec vous? Dommage. Bendé. Ah, j'ai pas réussi. Moi, je mange pas halal. Ouais, je commence à pas halal. Que du pain. Italia! Italia! Ouais. Oh la bouquille là. J'ai pris des pizzas. Si tout se passe bien, je vais manger. Ouais, mon débrief. J'ai même pas eu mon dessert, voilà, je me suis fait couiller. Et voilà. Ah, un dessert. Ouais, mais... Arrête, c'est pas trop. Maintenant, je vais vous présenter notre invité spécial, Ivan. Ouais. Présente-toi. Production, bro. Present yourself. The camera. Bonsoir, je m'appelle Ivan. J'ai 17 ans. C'est bon. Je viens d'Ukraine. Je fais du judo et sambo. Donc c'est le champion d'Ukraine de sambo. En moins de 88, c'est ça? Oui, 88. Junior. Et judo, c'est deuxième. Non, numéro 2 d'Ukraine, les gars. On a un gros bonhomme, là. Je m'appelle Amina. C'est tout? Oui. Ok. C'est fini. Round 1, fight! Ah, Zebi! Tactiquement, on n'était pas au point. On partait solide, on a fait une bonne prépa de Dieu toute la semaine. Mais bon, l'adversaire est champion d'Ukraine, de sambo. Moi, après, il m'a littéralement c***. Là, j'ai mal aux fesses, je peux plus m'asseoir. Oh, j'ai mal. Son spécial donc c'est Uchimata et il a appris avec le japonais Kosei Inoue. Au fur et à mesure des années, il a développé sa propre technique en Uchimata. Why I do like this? When I was young, I lose. If he block me and start to run again, he cannot do. I block. Uchimata start. He start to run again. And so after, when I want to go in, up. This is more control. Hop. C'est un système de verrage. Yes. Down,
Je relève. Je pousse, je relève. Je pousse, absolutely. Je relève. Correct. C'est vraiment son verre. You know better than me. Sometimes we start Shimata, but not possible. I don't go back. No. I stay in. I just do like this, yeah? And up. Push, push, push. There's only one movement. Il fait deux au JO, nous on prend la cocaïne. Et un décalcou. Deux cuillères. Valam, viens ici là. Valam, viens ici. Oui, bro, bro. Ça va bien. Oui. Maman, frère. Ça va bien. Ah, you sing? We win. Varon? Yes. No. Si. Oh, I sing, yes. Et oui, et tout. Testicule. Viens, ça va? Ça va, mais ça va très bien là, mais. Ok, t'es prêt? Hey, vlog à plus. Mais non, c'est ma vidéo! C'est ma vidéo! Vous voulez la vedette? C'est moi là, on voit que moi! Là! Oh! Atron, j'ai bienvenue au judo camp! Mais on l'a déjà dit 20 fois! Ok, bon, 1, 2, 3. Bienvenue au judo camp! Alors, ce matin, on a fait un cours par monsieur Elie Parfalani, qui est vice-champion olympique et 3 fois champion du monde. Il nous a fait un cours sur Uchimata, qui est son spécial. Et ensuite, on a fait de nombreux randonnées. Cet après-midi, on a eu une intervention sur Uranage. On l'a vu sous différentes formes. C'est un peu la spéciale des Géorgiens. C'était super intéressant. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, c'était assez dur parce que leur forme à eux, elle n'est pas comme la forme basique que tout le monde fait. Mais elle était très efficace. Et on a aussi eu un travail au sol qui était vachement efficace. T'as pris dans les Géorgiens? Non, je prends demain. Elle a peur. Bon voilà, petit débrief de la journée aujourd'hui, c'était vraiment cool. Maintenant, il est temps de passer au barbecue. C'est parti. Attends, je fais une transition. Salam alaikum, Béjri, je suis Mourde. Tabou, tchagmoub. Je suis en train d'insulter le caméraman. Non, je rigole, c'est vrai. Le pain du Christ. La tradition, c'est si tu veux être un champion, tu manges un oignon. Oh, ça, c'est assez réglé alors. Comment ça? On fait pas plus ça. Il n'y a pas la peau. Là. Voilà l'homme. Ah bah magnifique, parfait. Ouais. Et mâche. Voilà. Croque. C'est bon ça? C'est parfait. C'est bon. Ah. Yes. Oui. Très content d'être là, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes qui bougent, de belles personnes qui interviennent, c'est super. Tu veux que je le fasse? Allez. Wow.
va mon ref, tu t'es pas réveillé ou quoi? Take my belt, you. I take it. Top game. 1, 2, 3. C'est long, on fait ça. Eh, je suis trop content là. Je vais me faire écraser, moi. 3. Bon, les gars, comme vous voyez, là, il y a plus de tatami. Ce qui gère, c'est que c'est la fin. C'est nul. Wesh. Faut être un peu plus loin. Alors, c'est la fin du stage. Comme vous le voyez. Oh, t'as vu, tu me recopies. Wesh. Bah, en fait, c'était super cool. Franchement, moi, j'ai bien aimé. L'ambiance, les gens, c'était bien. J'ai kiffé les deux géorgiens là, ils m'ont séduit un peu. Et puis franchement, ouais, je suis. Oh ah, j'étais... Dites la vérité, dites la vérité. Là, t'es arrivé samedi matin. J'écoute rien. J'écoute rien. Pendant les deux jours. Stop, c'est bon, c'était tous. Okay. Un petit mot de clair. Bah, je crois qu'ils ont raison. Voilà. De quoi? Oh, on a descendu les drapeaux. Bah, merci à tous, hein. Franchement, c'était cool, c'était fun. On a transpiré. Et rendez-vous l'année prochaine. Ludo Camp. Ludo Camp.